Bonjour à toutes et à tous, c'est Lewick, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode du Let's Play A.16. Donc j'espère que vous passez, du coup pas de bonnes vacances, mais j'espère que le confinement se passe bien pour vous. De votre côté, pour moi ça, pour l'instant ça se passe plutôt bien en cette première semaine de confinement. Et j'avais commencé à faire pas mal de trucs pour l'épisode 9 par ici. J'avais justement bien préparé mon truc. J'ai utilisé Fraps. Et Fraps, évidemment, m'a fait un black screen pendant tout le temps où j'ai record. Évidemment, donc ça, c'est génial. Donc, je vous montrerai plus tard ce que j'ai fait par ici. Mais je vais juste vous montrer l'usine à la tour à mobs qui est terminée. Donc, pour rappel, j'ai construit 4 petits modules. De toute façon, vous avez vu la construction en timelapse. J'en ai fait une partie en live plus une autre partie en off-camera. J'espère justement que le petit timelapse vous a plu. N'hésitez pas à mettre justement un petit like et un petit bouton s'abonner pour me soutenir. Ça fera toujours plaisir, bref. Et puis j'ai creusé dans le Nether pour accéder aux deux portails. Donc le premier portail sera destiné pour la zone AFK. Donc la zone qui est en hauteur. Et qui va permettre de faire spawner les mobs des 4 tours. Donc on peut voir les 4 tours qui fonctionnent avec le système de redstone, etc. Le petit hub ici est centré par rapport aux 4 tours, donc centré par rapport au point d'origine, à l'origine, donc au point 0 quoi. Et puis c'est plutôt cool, on a un petit truc partout autour pour atterrir en Elytra. Et puis on a un petit truc aussi pour décoller. Et puis le deuxième portail sera destiné pour tout ce qui sera récolte des items, des loot, etc. Hop, qui est justement situé tout en bas. Donc qui est situé justement dans un niveau juste au niveau de l'eau quoi. Juste au niveau de l'océan. Et puis on a ici la zone de récolte avec des filtres. Un filtre pour la rotel flèche, un filtre pour le string, un filtre pour la poudre de creeper, pour les flèches, pour les os. Et après tout le reste va dans ce coffre là. Donc j'ai foutu des double chests, mais après ici il y aura des shulker box remplis de tout ça. Et donc maintenant ce que je voulais faire dans cette deuxième partie d'épisode, ce que j'ai d'ailleurs déjà commencé à faire et ce que j'ai déjà fini de faire, c'est je suis vraiment deg de pas avoir réussi. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant pour Fraps. Du coup j'utilise plus Fraps, c'est mort, je l'utilise plus. Même si il enregistre sans codec ni rien, il enregistre brut, donc c'est plutôt cool. Mais après, voilà, toujours des galères avec Fraps. Bref. Donc la deuxième partie de cet épisode concernait un reproducteur à bouffe, enfin un reproducteur à mob. Donc ici c'est un reproducteur de vache que je voulais faire, comme vous voyez ici il n'y a plus aucune vache, je les ai emmenés directement là-bas. Et puis c'est un petit design qu'Aurélien ça m'avait fait dans Celestia saison 1 je crois. Je me suis inspiré de son modèle mais après, juste de la structure de comment c'était foutu en gros ça ferme. Mais après je me suis démerdé moi en créatif pour voir comment ça marchait. Donc je vais vous y emmener maintenant. Hop. Donc on peut voir que c'est juste ici. Donc, comment ça fonctionne? Donc on a toutes les vaches ici qui sont dans cette petite ligne, creusée dans les profondeurs. Hop. Ici on a deux droppers, deux dispensers qui ne sont pas encore reliés en redstone. Va falloir que je le fasse là justement. Hop. Donc après. Justement, avec quand les dispensers seront activés, hop, ça va lever, ça va activer l'eau, et puis les vaches vont bondir comme ça, elles vont toucher ça, justement, parce qu'après elles risquent de s'échapper, c'est pour ça qu'il y a ça. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour les reproduire, hop là, donc on a juste pas mes clics droits avec du blé. Hop, ensuite, je sais pas si on voit ici, mais après, on a un trou de 1 ici, donc les bébés vaches pourront passer. Et on a une lame d'eau ici qui va atterrir jusqu'ici un point central. Pareil de ce côté-là. Donc pour rappel, c'est 8 blocs. L'eau coule sur 8 blocs de long. Donc c'est pour ça qu'on a 8 ici et 8 ici. Ensuite, elles vont être poussées dans la petite lame d'eau ici. Et qui va être poussée au milieu. Et puis évidemment, c'est symétrique de ce côté-là. Hop, elles vont atterrir. Ensuite, dans un petit hub, je vais vous montrer de suite, donc j'avais commencé à creuser et tout, donc c'est vraiment dommage que j'ai pas réussi à record.
Et puis hop, elles sont directement dans ce petit hub. Et puis dès qu'elles vont grandir, leur hitbox vont changer et vont faire un peu plus de un bloc de haut, je crois un bloc et demi. Et donc ensuite, hop, avec ce petit observer dispenser, ça va cracher de la lave et ça va la rejeter après. On peut voir qu'il y a toujours des bébés vaches qui tombent. J'avais testé justement, juste avant que je reprenne le record là, j'avais testé le fonctionnement de la chose avec vous, mais vu qu'il n'y a qu'une image noire, bah ça marche pas du tout quoi. Donc comment ça fonctionne? On a un observer ici qui va détecter quand on va appuyer sur le bouton. Donc quand on va appuyer sur le bouton, ça restera foncé et ça va lancer un tick au dispenser. Donc ça va cracher de la lave. Et puis ensuite, ça va dès que le bouton va se remettre en position, bah, position off, ça va l'observer va détecter justement cette position. Et puis il va balancer cet état dans le dispenser et qui va ensuite récupérer la lave. Donc on peut voir ici, hop, ça la crache et ça la récupère. Donc c'est vraiment un système de Redstone vraiment tout tout con, mais qui marche vraiment très très bien. Donc ensuite, bah, maintenant j'ai plus qu'à m'occuper de la décoration de la chose. Et puis va falloir ensuite que je pense que je ferai cette petite usine, je ferai cette usine dans les usines Redstone à part en créatif. Je vous ferai un petit tutoriel de comment faire du coup parce que j'avais fait avec vous, enfin je l'avais filmé, la procédure, la construction, etc. Mais malheureusement, bah j'ai tout perdu quoi. Bon, eh bien, avant de me mettre à la construction, je voudrais vous montrer le système de Redstone que j'ai fait. Donc, je viens tout juste de le finir là. Ça a été un peu chiant à faire, je vous avouerai. Je vais pas vous cacher, c'était vraiment galère. Donc, il y a un système qui va gérer les pistons. Donc, quand les vaches vont naître, ça va les pousser, bim, et ça va les, hop là, ça va les emmener là-bas. Pour rappel. Enfin, ça va forcer le truc, quand ils vont pas vouloir passer tout seul, ben, les pistons vont forcer la chose. Donc c'est avec ce système là. Donc lui, c'est pas grave si les vaches sont surélevées, c'est juste le principe, voilà. C'est que les bébés vaches, hop là, soient poussées et soient directement emmenées en bas. Et puis on a le deuxième système, ici, qui marche pas super super bien. C'est un T-flip-flop en gros, qui est juste derrière, comme vous pouvez voir. Donc un état où ça va allumer le truc, où, enfin où je pensais que ça allait allumer le truc. Et au final, à chaque fois, faut l'activer deux fois pour que le système fonctionne. Donc là, au final, j'ai pas assez de blé sur moi. Va falloir encore que je reprenne. J'ai vu tester deux, trois fois pour voir si ça fonctionne bien. Mais en gros, il y a toutes les vaches, hop là, elles sautent. Comme ça, on va pouvoir les accoupler facilement. Pareil de ce côté-là. Hop. Et ça veut dire à chaque fois aussi, il faut appuyer deux fois. Au lieu d'une fois, pour que le système s'arrête, en gros, pour que les pistons, hop là, enfin, pas les pistons, mais pour que les dispensers récupèrent l'eau. Voilà, donc là, le système est complètement terminé cette fois-ci. Et j'ai plus qu'à faire la construction. On va voir aussi, je vais tester pour la première fois, voir si ça fonctionne en bas. Parce que là, du coup, des vaches ont grandi en attendant. Hop là, et là, va juste falloir. Je vais le récupérer. Ah non, on peut pas le récupérer comme ça. Ah oui, je suis plein, normal. Et puis voilà, on récupère tous nos steaks, etc. Et ça fonctionne. Parfait. Donc, et bah, construction, et je vous retrouve. Bon, eh bien, on se retrouve. Quelques temps après, j'ai fait tourner deux fois le reproducteur à deux vaches. Donc, c'est-à-dire que bah, j'ai fait deux tournées avec le blé, etc. Et puis, bah, ça commence à grandir. J'ai déjà fait une première tournée, mais j'ai pas eu le temps de record. Le seul petit problème qu'il y a, va falloir que je trouve un fixe pour ça, c'est que quand il y a trop de vaches qui grandissent d'un coup, bah, elles étouffent, vu que c'est sur un bloc de largeur. Les vaches s'étouffent et meurent quand même. Et enfin, elle meurt, donc elle ne donne pas de raw beef cuit. Donc vous voyez quand même que ça marche. J'ai juste rempli un peu avec les stocks que j'avais, mais j'avais pas autant, j'avais la moitié, je crois. Donc juste avec la première tournée, ça a déjà tourné pas mal.
Donc, juste pour vous montrer hein, que ça marche bien, les vaches font un peu plus d'un bloc de hauteur avec leur hitbox. Et donc, hop, tout simplement, elles restent dans la lave. Puis elles meurent. Et puis ensuite, leur stuff, enfin, ça drop leur loot. Donc, c'est-à-dire du cuir et du steak. Et puis, écoutez, ça marche plutôt bien. Je vais attendre avec vous que ça ait fini de grandir. Donc, j'ai laissé un petit accéléré. Et puis on se retrouve dès que toutes les vaches ont grandi pour voir le loot total qu'on a eu. Et comme ça on va pouvoir changer tout simplement notre poulet bah, avec le steak. On va se prendre un petit steak, on va se faire plaisir. Voilà, donc on peut voir ce problème qui commence à venir vu qu'on commence à avoir pas mal de vaches. Donc le mieux c'est pour éviter ça, bah, c'est tout simplement de buter les vaches dès qu'elles ont fini de grandir. Donc ça veut dire dès qu'il y en a une qui grandit, hop là, on l'a... Ouais, il y en a plein qui pop d'un coup là. Donc le mieux c'est de les brûler petit à petit au lieu de toutes les brûler d'un coup. Comme ça on est sûr qu'il y en aura vraiment le moins possible qui suffoqueront, même si on a quand même qui suffoquent hein, comme vous pouvez voir. Et ça nous donne pas mal de steak en vrai hein. En vrai ça drop pas mal, c'est plutôt cool. En vrai c'est vraiment nice même. Bon, il y a toutes les vaches qui ont fini de grandir, du coup c'est nice ça aussi. Et on a pas mal de steaks, donc on va se prendre un petit stack. Et puis écoutez, ça y est, le poulet c'est terminé. Ça a été cool comme bouffe de début, mais au bout d'un moment ça nourrit pas assez. Et surtout au niveau de la saturation, quand on prend beaucoup de dégâts, bah on est tout le temps obligé de manger du poulet quoi. Donc en soi, hop, je vais ranger ça. Et puis écoutez, maintenant je vais me mettre au steak. Et puis plus tard, on se mettra la carotte d'or, vous inquiétez pas. Mais pas de suite, ce serait bien de se faire ferme à carotte pour ça, une ferme automatique qui sera là-bas. Et puis une autre ferme à or qui sera dans le Nether, tout simplement, mais je vais pas m'y atteler de suite, on a plein d'autres choses à faire. Donc écoutez, je vais voir à combien de temps je suis, et puis au niveau de l'épisode, et puis je vous tiens informé.
eh bien, on se retrouve quelques heures plus tard, même plusieurs jours après le dernier enregistrement pour moi. Et ouais, bon, j'ai beaucoup avancé, je savais pas trop quoi faire. J'ai vu que niveau temps, c'était assez tendu. Enfin, j'avais pas fait assez de contenu pour l'épisode. Et donc, bah, je me suis dit, bah, j'avais commencé à faire un petit terraforming en créatif. Donc, je l'ai terminé, j'ai importé le schématique, etc. Donc, j'ai rentré à la base. Donc, ouais, bah, du coup, j'ai fait le petit terraforming autour du reproducteur villageois. Donc, pourquoi j'ai fait ce terraforming? C'est parce que bah, je voulais faire passer une petite route à côté, une petite route sympa. Et faire en sorte que le producteur villageois, au fait, soit sous terre. Parce que de base, il était sur la surface. Et puis, je voulais faire en sorte qu'il soit sous terre. Et j'avais pas envie de tout refaire à l'arrache. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un petit terraforming autour. Pour faire un petit truc sympathique. Et puis aussi, tout simplement, pour que ça fasse plus stylé pour plus tard. Donc, hop, je vais vous montrer. J'ai aussi fait off-camera. Vous allez voir. Off. Donc oui, en off-camera, j'ai fait ceci aussi. J'ai complètement modifié le petit truc de villageois. J'ai rajouté des slots et puis je l'ai adapté à la petite colline que j'ai faite ici. Donc oui, au tout début, j'avais fait le premier terraforming ici. Et puis bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas déglinguer cette colline qui était vraiment dégueulasse en soi. Et du coup, je l'ai vraiment déglingué cette colline. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ma base ici. Il y a un grand espace et il serait vraiment temps de faire ma base parce qu'il y en a marre de cet endroit complètement dégueulasse là. Et donc, bah, va falloir que je fasse ma base ici. Du coup, j'ai fait un beau terraforming, tout est bien plat. Enfin, je ferai de la déco un peu plus tard. Et puis, j'ai foutu quelques arbres partout ici. Et franchement, ça rend beaucoup mieux qu'avant. Franchement, ça en jette. La petite route ici, c'est ça, je la trouve super sympa, puis ici on a directement accès au producteur villageois. Va falloir que je bouge ce villageois aussi, va falloir que je le récupère et que je change avec un autre, parce qu'il a des traits super intéressants celui-là, et je voudrais le garder. Donc je le mettrai avec les autres là-bas, et donc je ferai ça off caméra probablement pour le prochain épisode. Donc j'espère que les petits timelapses vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme j'aime et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Donc oui, la base sera construite probablement au prochain épisode, pour l'épisode 10 du coup. Elle sera là, je la linkerai avec la route ici. En plus, ça tombe bien parce que ça fait comme un petit rond-point, une route qui part par là, une route qui part par là. Par là, oui, j'ai envie, hop, je vais vous montrer, dans ce biome-là, le biome savane, j'ai envie de faire une sorte de zone habitante, voilà, une zone où bah, y a des habitations, en gros. Et je vais en faire partout ici, partout dans ce biome, genre vraiment remplir le biome de maisons, donc que ce soit dans les vallées ou sur les montagnes, je ferai beaucoup de terraforming, mais ça ce sera pas évidemment ce sera pas en un seul épisode, ce sera sur plusieurs épisodes. Je ferai des petites maisons, des petits blocs de maisons à chaque fois. Voilà, donc j'espère que ce projet fonctionnera bien. Là je suis assez motivé pour faire ce petit truc, donc ça peut être pas mal. Va falloir aussi du coup que je vire tous ces rails. Ouais, va falloir que je les vire parce que ça va jusqu'au village là-bas et ça me sert plus à rien du tout vu que j'ai le reproducteur et que j'en ai en balle maintenant. J'ai utilisé toutes mes fireworks, ok. Bon, je rentre à pied à la maison et puis on va se laisser là pour cet épisode. Je vous avais promis que je ferais un peu plus de contenu dans cet épisode parce que l'épisode 9, j'ai juste fait le spawner à Blaze et la moitié, bah, c'était de l'off-camera quoi, avec le montage, etc. C'était full coupé, etc. Donc c'était assez dommage. Et puis du coup là on aura fait pas mal de trucs, hein. Écoutez cet épisode, on aura fait le petit reproducteur de vaches qui marche vraiment très très bien. J'ai fait un fixe aussi d'ailleurs ici. J'ai foutu du verre partout ici. Comme ça peut-être que les vaches, quand elles grandiront, elles suffoqueront moins vu que le verre c'est pas considéré comme un bloc plein. Donc on verra plus tard comment ça marchera. Je ferai une petite tournée de vaches et puis on verra ce que ça donnera, hein. Et puis ouais, la petite descente, je la trouve super stylée et tout, c'est assez sympathique. Bon, et bien cet épisode touche à sa fin.
J'ai mis les petits shaders pour finir l'épisode, c'est assez stylé. Donc, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à donner votre avis en commentaire. Et si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge et dites pourquoi en commentaire. Et surtout, le petit plus, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Donc, c'était Lewick et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 10. Allez!